Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la tant attendue vidéo top flop. Alors j'espère que vous avez un petit peu de temps parce que la vidéo risque d'être longue. En fait, vu que c'est la première vidéo que je fais sur ma chaîne, j'avoue que là du coup j'ai pas mal de produits. Par contre, ne vous inquiétez pas, pour les mois à venir ce sera un petit peu différent parce que je vous ferai des top flops sur les produits que j'ai reçus en fait sur le mois en cours, donc il y en aura quand même beaucoup moins. Là, vu que c'est la première, je voulais vous parler de plusieurs choses. Alors du coup c'est vrai qu'il y en a pas mal, mais voilà, je vous rassure, pour les mois à venir il y en aura quand même beaucoup moins. Mais vous voyez, j'ai une boîte pleine ici, j'ai encore rempli une pochette là, donc il y a quand même pas mal de produits. Donc voilà, allez vous chercher un petit truc à boire, un petit truc à grignoter, il y en a pour un petit moment. Donc voilà. Également, je voulais vous dire que si vous passez par ici et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. Moi, ça m'encourage. Et puis également, activez les petites alertes pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sachant que je pense que vous avez remarqué, mais sur cette chaîne, vous allez principalement retrouver des présentations de box, mais également des hauls, voilà, des vidéos top flop, produits terminés, et puis en fin d'année, quelques petits calendriers de l'avant. Donc activez bien les petites alertes. Voilà, ce que je vous propose, c'est de commencer, parce que vu que la vidéo va déjà être longue, on va pas encore la rallonger. Donc déjà, ce que j'attrape, c'est donc un nettoyant visage de la marque Darphin. Écoutez, c'est un produit que j'aime beaucoup, j'ai plusieurs... Enfin voilà, ça c'est plutôt pour ma routine du soir, donc je l'utilise en combo avec ma petite brosse Foreo. Voilà, donc c'est vraiment un produit que j'aime bien. Il va vraiment bien nettoyer la peau, éliminer les petites imperfections. Il a une texture gel, donc assez fraîche. Donc pour la saison, j'avoue que je l'avais rangé depuis un petit moment, mais là pour la saison, je trouve que c'est vraiment pas mal à utiliser. C'est très frais sur la peau, ça fait du bien. Et puis ben voilà, c'est un très très bon produit, donc assez cher. Donc c'est pour ça que je le fais un petit peu durer, voilà, pour... parce que ça me fait mal au cœur à chaque fois que je le vois qui descend. Mais voilà, c'est un très bon produit que j'aime beaucoup utiliser. Ensuite, j'attrape de la marque Eucerin, donc c'est l'Aquaphor que j'ai eu dans la dans une Look Incredible. Donc c'est le fameux produit qu'on avait eu en double, donc vous voyez les énormes tubes de crème qui font, je ne sais même plus, mais voilà, 220 ml, et puis on en avait deux comme ça, les mêmes, c'est un petit peu rageant. Mais par contre ça fonctionne très bien. Moi je sais que je l'utilise un petit peu pour toute la famille, les enfants avec les tétines, les choses comme ça qui ont des zones de sécheresse autour de la bouche, ça fonctionne très bien. Quand j'ai les pieds vraiment très déshydratés, je m'en sers comme crème pour les pieds, ça peut servir de crème pour les mains. Enfin vraiment, c'est une petite crème qui fonctionne pour tout et qui fonctionne très bien. Donc voilà, vraiment je la recommande. Par contre, bah voilà, quand on en reçoit deux énormes tubes comme ça, ça fait un petit peu beaucoup. Mais très très bonne crème. Et bien, premier flop de la vidéo, donc c'est de la marque Bubble Tea. C'est un des gels douches que j'ai reçu dans la subscription, donc la version du mois d'avril. Donc je vous ai parlé du rose dans ma vidéo produit terminé, où du coup l'odeur est très sucrée, mais plutôt agréable. Celui-ci, ce n'est pas possible. Clairement, c'est... voilà, c'est les enfants qui s'en servent. Là, je m'en sers pour les enfants qui, eux, adorent les odeurs un petit peu comme ça. Mais là, c'est très sucré, mais écœurant. Enfin, c'est même pas agréable, je veux dire, sous la douche. Je pense que si j'allais à un moment donné sous la douche, peut-être un petit peu nauséeuse, etc., je serais malade direct. C'est entêtant. Et du coup, ça en devient pas agréable, quoi. Moi, la douche, c'est un moment, voilà, bien-être, etc. Non, alors du coup c'est les enfants qui se lavent avec, mais j'ai du mal à comprendre qu'on puisse mettre des odeurs aussi, voilà, vraiment sucrées mais lourdes quoi, enfin écœurant, voilà, vraiment pas du tout agréable, et du coup là c'était un total flop pour moi. Bon alors par contre pour les enfants entre 5 et 8 ans, il n'y a pas de problème, eux ils adorent ce type d'odeur. Également donc de la marque Garancia, donc là c'est un top, c'est la pâte sulfureuse, c'est la sulfureuse pâte du marabout, donc c'est le nettoyant visage qui est donc sous ma douche actuellement. Alors c'est un très très bon produit, ça fonctionne vraiment très bien pour tout ce qui va être impureté, etc. Comme vous le savez, j'ai la peau mixte à grasse, donc
vraiment, c'est un très très bon produit. Par contre, à chaque fois que je sors de la douche, j'ai quand même la peau qui tiraille, enfin vraiment asséchée, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est un petit peu le bémol de ce produit. Mais ça fonctionne très bien sur les impuretés, donc je continue à l'utiliser, mais il faut savoir qu'il faut vraiment... On peut pas se permettre de sauter la phase hydratation derrière, quoi. C'est pas possible, parce que là, on a vraiment la peau qui est très très asséchée. Donc voilà. C'est un peu le bémol, mais sinon, c'est un très bon produit. Donc ça, je l'avais reçu dans la My Little Box du mois de mars, je crois. Ensuite, donc, de la marque Misha. Alors, écoutez, très surprise, mais c'est un top. C'est le body peeling spray donc, que j'ai reçu dans la biotech du mois de mai. Ça fait pas très longtemps que j'utilise du coup, mais ça fonctionne très bien. Alors comme vous le savez, moi j'utilise des gommages en fait avec des grains, que ce soit pour le visage ou pour le corps, une fois par semaine parce que sinon ça dessèche, enfin ça assèche trop ma peau je trouve. Donc du coup, entre deux, j'utilise ce genre de petites choses, donc où il n'y a pas de grains à l'intérieur, mais qui vont quand même éliminer les peaux mortes, etc. Et écoutez, ça fait super bien le job. Donc là, j'en ai pour une éternité, hein, c'est un 320 ml de mémoire, oui c'est ça. Donc j'en ai pour une vie, mais par contre ça marche vraiment très très bien, donc je suis ravie. Sur les épaules, tout ça en ce moment avec la prise du soleil, enfin vraiment, non, ça enlève super bien les peaux mortes, je suis ravie de ce produit. J'utilise également de la marque Garancia l'Aquareftu. Alors on l'a eu dans la Beautiful Box Bio Féminin du mois de juin je crois. Pareil, ça c'est vraiment un super produit. Je m'en sers en fait après avoir nettoyé ma peau. Ça apporte de l'hydratation, c'est frais, ça fait vraiment du bien là par ses chaleurs. C'est vraiment un super produit pour l'été, je recommande. Ensuite, de la marque Hello Body, donc c'est le Coco Fraîche que j'ai eu dans la Splendiste version printemps. Alors, je suis mitigée sur ce produit parce que concrètement, c'est un nettoyant visage. Bah, je vais vous montrer, voilà. Donc ceci, c'est un nettoyant visage mousse, en fait, voilà, il sort de la mousse du produit. Donc... c'est super agréable, c'est une texture que j'adore, c'est super agréable sur le visage. Ça fait très bien le job parce que ça, voilà, on sent que ça nettoie, mais en même temps ça laisse une peau toute douce à la sortie de la douche. C'est un bonheur de ce côté-là, j'ai envie de dire. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec l'odeur. Alors, vous savez que moi je suis assez sensible aux odeurs et du coup, voilà. Alors, sur le papier, c'est une odeur qui est censée me plaire à 1 million de pourcents, c'est à la noix de coco, etc. Sauf que là, pour le coup, je sais pas si c'est un peu coco, un peu guimauve, comme ça. Enfin, il y a une petite odeur un peu bonbon derrière. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu écœurant. Donc, je continue à l'utiliser parce que je vois les bienfaits. Je trouve que c'est un très bon nettoyant. Donc, je continue à m'en servir. Mais voilà, j'ai quand même du mal. Il sera terminé. Mais voilà, je suis vraiment mitigée. Donc, on va dire que pour moi, ce serait un flop. Mais je ne peux vraiment pas dénigrer le produit. Parce que franchement, il fonctionne très très bien. Voilà, mais c'est juste l'odeur. Donc ça, c'est assez personnel, j'ai envie de dire. Hein. Les odeurs, on aime ou on n'aime pas. Quoi. Voilà, donc petit flop, on va dire. Ensuite, donc j'attrape de la marque Elsa's Organic Skin Food. Donc que j'ai eu dans la Love Lula. Et je crois que c'était celle de juin. Alors... c'est le déodorant solide. Oui, un déodorant solide. Voilà. Donc, qui se présente comme ceci. Et bah, pour le coup, alors, c'est un mini top, on va dire. Voilà. On va dire que c'est un top dans la catégorie déodorant solide. Parce que, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'en ai testé plein. À chaque fois, ça ne marchait pas du tout. Enfin, ça ne matchait pas avec moi. Voilà, j'y arrivais pas. Et bah celui-ci, pour le coup, est plutôt pas mal. Alors déjà, ce que j'aime, c'est qu'en gros, il y a un contenant. Donc, on n'est pas obligé de remettre dans la boîte à carton, etc. Je trouve que c'est déjà pas mal hygiénique, première chose. Deuxième chose, j'aime beaucoup l'odeur. Alors, c'est pas une odeur qui va plaire à tout le monde, je suis d'accord. C'est assez fort comme odeur. Un peu senteur herbale, un petit peu musqué, comme ça. C'est assez fort, pas du tout ce qu'on a l'habitude de sentir pour un déo. Moi j'aime beaucoup, d'une part. Il fonctionne très bien sur moi, donc il est très efficace. Alors je suis pas une fille qui transpire énormément, hein, qu'on se le dise.
Voilà. Par contre, je le sens vraiment tout au long de la journée, donc je me dis qu'il a quand même une bonne efficacité. Mais voilà, je suis pas forcément hyper bien. Je suis pas forcément le bon modèle, on va dire, parce que je suis pas une fille qui transpire beaucoup. Je peux même être amenée à faire du sport et puis pas transpirer. Donc voilà. Mais vu que je le sens tout au long de la journée, je me dis qu'il doit quand même être pas mal efficace. Et puis voilà, donc c'était un bon petit déo, vous voyez, donc ça se présente comme ceci, vous tournez, ça monte, voilà, donc bon petit déo. Le seul bémol qu'il peut y avoir, c'est qu'en fait il va teinter, il va colorer un petit peu les selles, vous voyez, c'est de cette couleur là, et vous vous retrouvez avec les selles qui a cette couleur là. Donc du coup c'est pas quelque chose qu'il faut mettre quand vous utilisez un sans manche, etc, parce que là c'est pas top. Mais pour le coup, par rapport à mes mauvaises expériences, on va dire, avec les déos solides, c'est un bon produit. Donc c'est quand même un mini top. Voilà. Ensuite, donc j'utilise de la marque Rituals. Donc c'est la crème pour le corps, Rituals of Karma. J'adore l'odeur de ce lait. Enfin, de cette crème. C'est vraiment super super agréable, je l'utilise, bah vous voyez, je l'ai pas mal utilisé déjà, donc vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est frais sur le corps, c'est une texture, alors c'est une texture un petit peu, je vais pas en mettre beaucoup, donc là vous voyez, ça fait texture crème, clairement, mais quand vous l'appliquez, ça se gélifie un petit peu, et du coup c'est super agréable, alors l'odeur. J'adore, franchement j'adore. Donc ça laisse pas de fini gras, en plus c'est super agréable. Donc vous savez que moi j'adore hydrater mon corps, etc. Mais il faut vraiment pas qu'il y ait ce fini gras que j'aime pas du tout. Là non, ça laisse la peau lisse, c'est vraiment super super agréable. Donc je recommande à 1000%. Ensuite, ça c'est le... C'est la crème contour pour les yeux de Liz Earle que j'ai eu dans une Look Incredible également. Donc déjà il y a un format de 15 ml, donc c'est énorme. Là ce que j'aimais bien en fait c'était le packaging un petit peu métallique comme ça, donc il gardait vraiment le produit très frais. Par contre, ben voilà, d'une part, je m'en suis un petit peu lassée parce qu'à utiliser toujours le même produit, on s'en lasse un petit peu. Flacon pompe, très hygiénique, enfin voilà, j'aimais beaucoup. La seule chose c'est que au fur et à mesure que je l'utilisais, je me suis rendu compte que je commençais à attraper, alors je sais plus comment ça s'appelle ces petites choses, mais vous savez les petites boules blanches qu'on chope autour des yeux comme ça, bah, parce qu'on nourrit trop sa peau, et bah ça me l'a fait avec ce contour des yeux, donc du coup j'ai arrêté de l'utiliser, donc c'est un flop pour moi parce que bah voilà, j'ai commencé à choper ça et du coup j'ai arrêté d'utiliser ce produit. Je sais pas, ça va bien faire 2 mois maintenant, 2 mois, 2 mois et demi, et il y en a qui sont encore pas partis quoi. Donc c'est super dur à éliminer, et puis voilà, donc non, pour moi c'est un flop. Après je ne dis pas que ça en serait un pour tout le monde, mais ça n'a pas convenu pour ma peau, ça l'a trop trop nourri pour le coup. J'utilise également donc de la marque Avant, donc ça c'est bah justement voilà l'exfoliant visage donc à la rose, papaye, etc. Donc je l'ai eu dans une box, mais je vous avoue que je sais plus laquelle. Voilà, parce que je l'ai pas utilisé tout de suite après, et du coup voilà, il a traîné un petit moment, mais je sais plus dans quelle box je l'ai. Bref, et bah écoutez. Déjà, c'est pas une odeur de rose comme on n'aime pas, c'est une odeur assez subtile, assez fraîche comme ça, donc j'aime bien l'odeur. Et en plus, bah, c'est vraiment de tout petits grains, donc c'est très agréable sur le visage. Ça ne déshydrate pas totalement ma peau, ça l'exfolie, mais ça ne la déshydrate pas, donc je recommande ce petit produit. On va rester dans la marque Avant avec la crème de nuit, donc à l'acide hyaluronique. Pareil, j'aime beaucoup cette crème, j'aime beaucoup l'odeur de la crème. C'est une texture un petit peu... Alors, c'est une crème, mais c'est pareil. Donc voici un petit peu la texture. Donc effectivement, c'est une crème, mais comme on peut le voir, voilà. C'est pareil, un petit peu...
un petit peu texture gel comme ça, donc c'est agréable, ça laisse pas de finigras, c'est... Enfin ouais, moi j'aime beaucoup cette crème également. En plus là on est à la période estivale, alors c'est vraiment des textures que je recherche parce que, enfin voilà, des crèmes hyper hyper nourrissantes, là pour le coup c'est, voilà, c'est trop pour la saison. Donc, bon petit produit. Y a pas beaucoup de flops, hein. Ah oui, je pourrais peut-être les mettre de côté. Ensuite, donc de la marque Bella Pierre, il y a la petite palette qu'on avait eue dans... Je ne sais plus... Est-ce que c'était une Glossy Box ou une Look Fantastique? Je ne sais plus, cette petite palette-là. C'était peut-être bien dans une Look Fantastique, ça. Donc voilà, avec des teintes assez chaudes comme ça. C'est une palette que j'aime beaucoup. La pigmentation des fards me va bien. On a 3 irisés, 1 mat. Voilà. J'aime bien utiliser cette petite palette. Si je m'en sers pas pour me faire un maquillage complet, je prends au moins peut-être la petite teinte orangée. Enfin voilà, des petites teintes comme ça que je rajoute pour donner des points de lumière. J'aime beaucoup cette palette. Donc je m'en sers vraiment très régulièrement. Dans, on va rester dans les palettes, donc de la marque Fure qu'on avait reçue donc dans une Birchbox. Donc j'étais déçue parce que j'avais pas pu choisir ma teinte, parce que j'aurais plutôt pris l'autre. Mais pour le coup, j'ai quand même pas été trop déçue. Il y a 3 mats et 2 irisés à l'intérieur. Voilà, donc je pense que vous l'avez déjà vu pas mal tourner cette petite palette. La pigmentation est vraiment top. Il y a moyen de se faire quand même des bons petits make-up avec. Que ce soit des maquillages assez discrets pour la journée, on peut même envisager de se faire quelques maquillages soirée. Donc j'ai envie de dire que c'est une petite palette qui est quand même plutôt complète. Voilà, si vous partez ne serait-ce qu'un week-end et puis que voilà, ça vous gêne pas de vous maquiller un petit peu pareil, enfin voilà, une petite palette comme ça, je trouve que c'est pas mal complet. Il manque juste un miroir, mais sinon c'est une bonne petite palette. Donc ça, on l'a reçu dans la... Pourtant, je devrais m'en rappeler. Je crois même que c'était dans la Glossy Box du mois de juin. Voilà, donc c'est une palette, je vous l'avais dit, d'highlighter de chez Sleek. Donc c'est... moi, j'ai reçu celle-ci. De toute façon, vous pouvez vous en douter si vous avez vu la vidéo, c'est un énorme top, étant donné que j'avais eu cette palette, je l'ai cassée. Voilà, donc je suis juste ravie de la retrouver, donc pour moi c'est un gros top, j'adore vraiment les nuances qu'il y a à l'intérieur, enfin c'est clairement ce que j'utilise moi en tant qu'highlighter, ou alors mettre un point de lumière, enfin voilà, par exemple cette teinte là je vais plus l'utiliser en tant que peut-être fard à paupières pour remettre de la lumière, celle-ci par contre la verte là je l'utilise quand même beaucoup moins, mais voilà, c'est vraiment une palette que j'adore. Ensuite, j'utilise beaucoup en ce moment de la qu'on a reçu dans la prescription lab du mois dernier, je crois. Donc, c'était le gommage et le baume à lèvres, le petit combo là qu'on a reçu. Voilà. Alors, je m'en sers beaucoup pour les lèvres. Et puis, bah écoutez, j'aime beaucoup l'odeur. J'aime beaucoup le goût du gommage également. Voilà, c'était à noter. Franchement, ces deux petits produits qui en plus pour l'été sont au top, on prend jamais assez soin de ses lèvres, moi la première. Donc le fait d'avoir reçu ça, bah, ça m'oblige un petit peu à me faire un gommage des lèvres et c'est plutôt très bien. Donc je m'en sers volontiers et puis ça marche plutôt bien, les odeurs sont top, donc parfait. De toute façon je suis rarement déçue des produits prescription là en même temps. Alors, ensuite, on en passe à un petit flop pour moi. Donc, c'est le Benefit, le blush qu'on a reçu dans la Look Incredible Deluxe, je crois. Je crois que c'était la Deluxe. Donc, il se présente comme ceci. Il est très beau. Il est vraiment très, très beau. Mais il est trop clair pour moi. Donc, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je vais quand même attendre avant de prendre une décision définitive concernant ce blush. On va dire qu'on repasse sur la saison hivernale. Parce que, bah voilà, là j'avais déjà quand même commencé un petit peu à bronzer. Donc, je vais attendre de voir ce que ça donne en hiver. Mais pour l'instant, il est clairement trop clair pour moi. Donc, c'est dommage.
Ensuite, de la marque Eugens, donc c'est l'huile visage élixir nuit, donc on a eu dans la Birchbox de juin. De juin, mais bref, de juin je crois. Donc voilà, le tout petit format comme ça. J'aime beaucoup l'utiliser, j'aime, de toute façon j'aime bien les huiles visage, je m'y suis mise, et puis voilà, celle-ci pour le soir, donc je verrai les effets plus tard, mais pour l'instant déjà, j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup le fini qu'elle laisse sur ma peau, etc. Donc voilà, je recommande. En plus elle est hyper clean en termes de compo, donc c'est top. J'attrape ensuite de la marque Etude House, donc voilà. Là, je vais être franche, je ne l'ai pas forcément utilisé, mais je le mets déjà dans mes flops pour moi, parce qu'il est trop clair, et ça, c'est une teinte qui assurément restera trop claire, même pour moi en hiver, voilà, c'est vraiment dommage parce que les blushs, enfin la marque Etude House est une très bonne marque de K-Beauty, donc je suis déçue, je l'ai reçue dans la No Make No Life, donc la vidéo, je crois que je l'ai postée avant-hier, c'est vraiment dommage, mais du coup, je vous le glisserai dans le petit concours, donc au moment où je sortirai le concours, on en rediscutera, je l'ai juste swatché, donc dites-moi si vous voulez que je l'enlève, enfin voilà, on verra à ce moment-là si vous voulez que je l'enlève du concours, etc., parce que je l'ai swatché, vous me le redirez, mais voilà, je ne l'ai pas du tout porté, je l'ai juste swatché, en direct avec vous en vidéo, donc voilà, vous me redirez si ça vous pose un souci ou pas, mais... ça n'ira pas pour moi. J'utilise donc de la marque Essence, donc le gel intime balance, le gel nettoyant intime, donc on a reçu donc voilà, intime balance. C'est un bon petit gel nettoyant. Je vois pas forcément une différence énorme avec ce que j'utilise en temps normal, mais voilà, il a une bonne odeur. J'ai trop rien à dire sur ce produit, mais ce n'est pas un flop. Voilà, c'est moitié-moitié. Alors, ensuite, on passe à la marque Oleana. Donc, c'est la crème samba de mangue et d'hibiscus que j'ai reçue dans la box Evidence. J'adore cette odeur. Déjà, voilà, ça sent trop bon, donc c'est une crème pour le visage et le décolleté que j'utilise très très régulièrement, alors voilà, j'adore cette crème. Franchement, elle a une super bonne odeur, elle est hyper clean en termes de compo, elle est hyper clean en termes de compo, franchement c'est un très très bon produit. Alors après voilà, c'est quand même très nourrissant, donc c'est pas, voilà, par exemple là c'est pas une texture gel, donc on sent que c'est quand même nourrissant. C'est des odeurs estivales avec une texture un petit peu de crème hivernale, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, l'odeur c'est vraiment l'été à 1 million de pourcents, par contre la texture c'est peut-être quelque chose que j'utiliserai plus à l'automne, on sera quand même sorti de la période où il fait très chaud, donc je l'utiliserai peut-être plus à ce moment-là. Là, je l'ai quand même utilisé, mais voilà, je trouve que je l'ai utilisé le soir déjà, pas la journée, parce que je trouve vraiment que la texture est trop... c'est trop nourrissant, voilà, pour la saison. Par contre, pour moi, c'est quand même un top, parce que c'est quand même vraiment une crème qui sent très bon, qui fonctionne très bien, juste pas pour l'été. J'ai utilisé de la marque Brave New Care, donc c'est le petit truc là teinté qu'on a reçu dans la Birchbox, voilà ce petit pot là. Et bah écoutez, j'en ai mis un coup dans mes cheveux, alors ça fait de très très jolis reflets. C'est subtil, c'est pas non plus criard comme ça, enfin voilà, ça fait de très très jolis reflets. J'avoue que je l'ai pas encore essayé sur la peau. Par contre, dans les cheveux, déjà, ça a un super beau rendu. Donc, j'ai hâte de tester ce que ça va donner sur la peau. Mais franchement, pour le coup, j'ai été agréablement surprise. Donc, c'est un top. Celui-là, si vous ne l'aviez pas vu, je pense que vous vous seriez posé des questions. C'est de la marque The Same. La crème pour le corps à l'avocat. Voilà. Donc, l'énorme pot que j'ai reçu... c'était dans la biotech, je crois.
Oui, il me semble que c'était dans la biotech, pareil. Trop con. Je vous avais dit que j'allais finir le Rituals avant d'entamer celui-là. Est-ce que je l'ai fait? Non. Non. J'adore l'odeur de cette crème. C'est, vous voyez, en plus, elle est quand même assez compacte. Voilà, il y en a encore sur le couvercle. Voilà. Donc, elle est assez compacte quand même. Mais elle a, pareil, cette petite texture un petit peu... voilà, un petit peu gélifié comme ça. Donc c'est super frais sur le corps quand on l'applique. C'est hyper agréable, il n'y a pas de fini gras. Et puis bah, il y a une odeur de dingue quoi. Enfin voilà, moi je sais que j'adore ces odeurs là. Donc clairement, je m'en tartinerai toute la journée. Voilà, j'adore cette crème. Franchement c'est un gros gros coup de cœur. Donc voilà. On en rediscutera quand je l'aurai fini. Ça c'est un produit que je pourrais racheter les yeux fermés. Bon alors, vu la taille du pot, il y a le temps, mais voilà, c'est clairement un produit que je rachèterai. Ensuite, oui, je ne sais pas pourquoi je l'ai remballé, mais c'est pas grave. Donc, j'ai utilisé, donc je ne l'utilise pas encore trop régulièrement, puisque je vous montrerai pourquoi, mais la palette donc contour que j'ai reçue dans une Look Incredible. Je crois que c'était la version deluxe, donc voilà les trois fards. Alors ça matche super bien avec ma peau, donc ça c'est cool. C'est pour ça que je vais m'en servir. Je voulais quand même m'en servir un petit coup avant de faire cette vidéo pour pouvoir vous faire déjà un retour dessus. Donc ça matche bien avec ma peau, les couleurs très bien, la pigmentation très bien, c'est facile à travailler, ça va nickel. Donc pour moi c'est un gros top. Franchement, barre minérale là c'est un gros gros top. Donc très bien. Alors, également de la marque Bobbi Brown, donc le Primer Plus, je ne sais plus dans quoi je l'ai eu. Je vais pas vous mentir, je sais plus du tout dans quoi je l'ai eu. Je me demande si c'est pas aussi dans une Look Incredible. Ça se peut bien. Donc voilà, bah c'est, écoutez, hein, c'est la base de teint. Donc le primer. Et ben franchement, il y en a beaucoup. J'ai vu pas mal de revues dessus. C'est pour ça que je l'avais pas entamé tout de suite, qui disait que ça laissait des genres de pluches comme ça sur le visage. Donc j'ai un peu freiné les quatre fers. Puis à un moment donné, je me suis dit allez, faut quand même bien. J'avais fini la mienne, donc je me suis dit allez. On le tente, et puis bah écoutez, moi ça me fait pas du tout ça, ce petit truc de peluche comme ça. Moi, faut bien travailler doucement, hein. Je pense que si voilà, on y va à fond comme ça, on en a effectivement. Mais moi pour le coup, j'en ai pas eu. Elle matifie très bien, comme vous le savez, j'ai la peau plutôt à tendance mix grasse. Donc ça matifie très bien, donc pour moi, c'est un top. Alors, j'ai plein de petites choses là. Donc oui, ça c'est de la marque The Humble Warrior, donc que j'ai eu dans la Love Lula du mois de mai, par contre, je crois. Donc c'était une huile, mais... Ouais. C'était une huile, alors j'ai voulu l'essayer, mais elle sent trop fort. C'est pas en plus une odeur qui me plaît énormément. Peut-être plus subtil, ça aurait pu me plaire. Il y a un petit ton, des tons de musc comme ça, donc c'est clairement une odeur que j'aurais pu aimer, mais là c'est trop fort quoi, c'est trop concentré. Et j'ai essayé voilà sur des cotons, j'ai essayé voilà en... Enfin vraiment mettant que quelques petites gouttes, mais alors du coup... non, c'est... Et ça m'empêcherait limite de dormir quoi, je m'en servais le soir, mais c'est... Non, trop entêtant. Donc clairement ça c'est un flop pour moi. Ensuite de la palette Sleek, donc également bah, j'utilise la petite palette comme ça, avec, enfin c'est pas vraiment une palette de contour, hein, c'est une palette où il y a en gros un highlighter et une poudre pour faire son contour, donc voilà. Alors l'highlighter est pas du, enfin je le trouve vraiment... pas très très pigmenté. On va essayer de faire un swatch là. Donc voilà. Alors oui, là ça ressort pas mal pour le coup. Pour le coup, vu que j'ai bronzé, hein. Mais je sais pas, je le trouve pas fou en fait, cet highlighter. Je trouve pas qu'il reflète hyper bien la lumière.
sur mon visage, ça marche pas forcément très bien. Alors peut-être que je pourrais l'appliquer en coin interne comme ça pour mettre un point de lumière, je ne sais pas, mais en tous les cas en highlighter ça ne va pas du tout. Par contre la teinte pour la poudre contour matche bien avec ma peau, donc ça c'est top. Donc je vais quand même le mettre en top parce que voilà, parce que quand même la poudre contour va très bien. L'highlighter je pense que ça vient peut-être de ma carnation, je ne sais pas, mais je pourrais m'en servir pour autre chose, donc du coup ça reste quand même un top. Ensuite, alors, oui, ça je l'ai eu dans la No Make No Life. Alors, vu que je ne l'avais pas posté tout de suite ma vidéo No Make No Life, j'ai eu un petit peu le temps quand même de tester certaines choses. Et donc de la marque It Demo, je pense que vous vous souvenez, j'avais reçu le petit baume à lèvres Pikachu. Donc, qui non, ne sent clairement pas la pêche. Ça sent le bonbon, mais ça sent pas la pêche. Et bah écoutez, je m'en suis servi comme baume de nuit pour le tester parce que c'est là un petit peu que je teste mes baumes. Moi je les teste un petit peu comme ça, voir s'ils sont vraiment nourrissants. Et bah j'ai été surprise parce que en plus c'était un produit made in China et tout, donc je me suis dit ouais, off, je sais pas trop comment ça va fonctionner encore cette histoire. Et bah je me suis levée le lendemain, j'avais encore de la matière sur les lèvres, mes lèvres étaient quand même repulpées, étaient vraiment bien hydratées. Vraiment agréablement surprise par ce petit baume à lèvres. Donc du coup, c'est un top. Franchement, je pensais que j'allais vous la filmer en vous le mettant dans les flops, mais comme quoi. Alors là, j'ai plein de petites choses. Donc, je suis en train de tester de la marque Herborian le Black Scrub Mask. Donc voilà. Donc, qu'on applique, enfin moi je l'applique sur ma zone T, donc le front, le nez, le menton. Et puis alors c'est pas un masque, c'est un masque noir, mais par contre c'est pas un masque, vous savez, qu'on décolle comme ça. Faut attendre qu'il sèche complètement, je sais plus combien de temps on le laisse celui-ci. Il faut le laisser poser 3 minutes, bon généralement je le laisse toujours un petit peu plus pour que ce soit vraiment bien sec. Et puis après, bah voilà, on vient la rincer, le nettoyer, etc. C'est vraiment un bon masque. Clairement, il matifie super bien la zone T, il nettoie bien les pores, etc. C'est vraiment un très très bon masque, je le recommande. Ensuite, donc bah, j'en attrape plusieurs. Donc, ouais. De la marque, alors c'est Tresina, je pense, que vu que c'est une marque espagnole, je pense que ça se dit comme ça. J'avais dit Mina quand j'avais fait ma vidéo, donc c'était pour la Glossy Box du mois de mai. Mais en fait, je crois que c'est Tresina. Donc c'était le gloss pour les yeux, voilà. J'ai essayé, voilà, pas le jour où j'ai filmé, hein, mais j'ai essayé. C'est une catastrophe ce truc, c'est une catastrophe. Je ne sais même pas comment on peut se dire qu'on va inventer un truc pareil. Non. J'avais pourtant fait un maquillage assez léger. Voilà, j'avais fait un petit peu un make-up comme ça, mais voilà, je me suis dit en point de lumière comme ça, donc j'avais juste mis un petit fard pareil avec un petit peu pailleté, et puis je me suis dit tiens, on va aller, j'ai même pas frotté, j'ai dit on va tapoter sur l'œil pour voir ce que ça donne. Alors ça a enlevé tout mon fard, première chose, et puis bah, ça m'a laissé un fini mais moche sur les yeux, j'ai dû me redémaquiller derrière quoi, c'était... Ouais, bah voilà, un fini gloss. Mais on est d'accord, hein, voilà, un gloss, ça a bien fini comme ça. On est d'accord. Voilà, ça brille, c'est joli. Sur la bouche, hein, pas sur les yeux. Donc, par rapport à l'utilisation, c'est un gros flop parce que je ne m'en servirai jamais sur les yeux. Enfin, j'ai essayé, c'est une véritable catastrophe. Je comprends même pas le concept du truc parce que ça fait pas beau. Et puis après, à force de cligner des yeux... Non, c'est moche. Franchement, c'est moche. Donc, non, je suis pas d'accord pour ce produit. Je ne vais par contre pas le jeter et je m'en servirai en gloss pour les lèvres parce que pour le coup, il colle pas non plus trop. Donc, c'est une texture qui est plutôt intéressante pour les lèvres. Mais pour les yeux, enfin non. Donc, c'est un flop total. De la marque Pixie, donc by Petra. Donc, ça, c'était le petit... repulpant là pour les lèvres, donc en teinte Onishin, voilà, je sais plus dans quelle box on l'a eu celui-ci, donc voilà, ça se présentait comme ceci le petit packaging, voilà.
Bon, écoutez, il est très bien. J'adore ce genre de produit parce que ça donne un effet un petit peu frais sur les lèvres. Donc ça, c'est un truc que j'adore. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. Il m'a pas picoté. C'était pas désagréable. Après, bon, j'ai quand même des lèvres qui sont déjà un petit peu charnues. Donc ça a pas non plus repulpé de fou. Hein, ça m'a pas fait une bouche énorme. Mais j'ai vu un petit peu peut-être sur les lèvres supérieures que ça avait fonctionné. Bon, la lèvre inférieure, j'ai pas forcément vu de résultat, mais sur la lèvre supérieure un petit peu. Donc, bon petit produit. De la marque Jeffree Star, donc le velours liquid lipstick que j'ai eu dans une Look Incredible également. Voilà. Alors là, pour le coup, c'est un gros top parce que c'est une jolie couleur. Je vais le remettre par là. Voilà. C'est vraiment une... Bah, il ressort un peu plus clair quand même que ce qu'il n'est à cause des éclairages, mais c'est vraiment une jolie couleur, il a un fini mat. C'est un très très beau rouge à lèvres, franchement. Et puis ça, du coup, que ce soit pour l'été, ça passera même en hiver, j'ai envie de dire, en fonction du maquillage qu'on se fait. C'est un très bon rouge à lèvres, il tient toute la journée, il dessèche pas les lèvres, il est agréable à porter, au bout d'un moment on le sent même plus. Donc vraiment très bon rouge à lèvres. Ensuite, de la marque Maylie, ouais, que j'ai eu également dans une Look Incredible. Donc ça, il y avait eu tout un petit set, je sais plus quel mois c'était, de la collection de la Reine des Neiges. Et voilà, donc ça, ça en faisait partie. Donc c'est un joli petit gloss qui ne colle pas trop non plus. Qui, je le pensais, allait être trop clair pour moi. Et qui, en fait, est plutôt pas mal. Voilà, il est là. Là, voilà. Donc, c'est joli, c'est discret. Ça apporte une petite brillance aux lèvres. Et voilà, quand on n'a pas envie d'avoir des lèvres vraiment qui ressortent beaucoup. Ça, c'est super discret. Ça apporte un petit peu de brillance. J'aime beaucoup ce petit gloss. J'ai pas mal de rouge à lèvres. Je vous le dis. De la marque Suku, que j'ai également eu dans une Look Incredible. Voilà. Donc, le petit rouge à lèvres, je vais peut-être déjà vous le montrer. Il se présente donc comme ceci. Comme d'habitude, les packagings Suku sont hyper, hyper discrets. On voit juste écrit Suku en surbrillance. Je ne sais pas si ça va ressortir. Voilà, si. Voilà. C'est écrit Suku ici. Donc là, moi, j'avais la teinte 2094. Hein, ça vous aide. Donc assez fin, voilà le raisin. Et puis donc je vais vous le mettre au bout là. Voilà. Alors là, il est très joli. J'avais peur que ce soit trop clair également. Et puis en fait non, ça collait plutôt bien. Et là pour le coup, c'est plutôt un effet brillant. Voilà, qu'on va avoir sur les lèvres. Donc c'est pas. Ce qui est agréable, c'est qu'il est brillant. Alors peut-être pas comme un gloss, mais il brille quand même pas mal sur les lèvres. Mais voilà, il n'a pas la texture gloss ni rien, c'est vraiment un rouge à lèvres, mais du coup qui est, je pense, en plus hyper hydratant. Enfin, qui est hyper hydratant. Le défaut, par contre, c'est qu'on le sent quand même pas mal sur les lèvres et qu'il ne faut pas trop avoir les lèvres sèches parce que ça rentre dans toutes les petites rainures comme ça des lèvres. Donc ça, c'est pas très joli. Quand on a les lèvres un peu gercées, il ne faut clairement pas le mettre, mais sinon, il est très très joli. Donc bon petit rouge à lèvres. Alors également dans la Look Incredible, non ce n'est pas juste une vidéo Look Incredible, je vous rassure, mais voilà, j'ai reçu pas mal de produits dedans. Donc là c'était le rouge à lèvres Gucci, enfin le gloss Gucci qu'on avait reçu. Alors déjà voilà, ça avait fait un peu grincer des dents parce que c'est quand même une box qui est chère, la Look Incredible, hein. C'est un budget de 50-55 euros quand même par mois. Donc oui, je parle bien de la Deluxe, hein, pas de la My Secret Box. Voilà, c'est quand même pour moi une box qui a plus de 50 euros. On commence quand même à arriver dans un budget assez conséquent de box. Et puis, on s'était retrouvé avec un testeur. Donc, voilà, c'était bien écrit, testeur, ne peut pas être vendu seul. Enfin, voilà.
Alors ok, le produit à l'intérieur c'est le même, etc. Ça, y a pas de problème là-dessus, c'est juste que quand tu payes ta box plus de 50€, tu t'attends quand même à avoir autre chose déjà à l'intérieur qu'un tester, hein, ça fait quand même un petit peu mal aux dents. Mais hormis ça, puisque au moins voilà c'est ce que j'avais dit, c'est ce que je me suis dit quand je l'ai reçu, puisque je crois pas que j'avais... c'était pas sur le mois de mai, donc j'avais pas encore de chaîne. Mais je me suis dit voilà, ça s'utilise quand même pareil, de toute façon qu'est-ce que tu veux faire, ils ont envoyé un testeur, ils ont envoyé un testeur. Mais hormis ça, je vais le mettre par là. Alors, c'est vraiment une belle couleur, c'est ça qui est dommage. C'est un peu dans les tons ocre, comme ça. Donc déjà, il est assez difficile à travailler, ce gloss, parce que... je vais vous montrer pourquoi. Il est très pigmenté en termes de couleur, mais du coup, le passage de l'applicateur va tout faire refiler. Donc, si on veut vraiment avoir une bouche très harmonieuse, il faut vraiment déjà tapoter avec l'applicateur sur les lèvres parce que sinon, bah, vous allez avoir... ça va pas être beau. Dès l'instant, vous allez vouloir faire... il faut limite tout refaire parce que bah, ça file de partout. Franchement, j'ai essayé de l'appliquer de toutes les façons possibles, machin. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on est bien obligé de faire comme ça et ça flingue tout. Mais clairement, ça flingue tout. Je ne comprends pas. Il est... alors voilà, c'est dommage parce que la couleur était vraiment belle, tout. Il est pas non plus hyper hyper collant. Il colle, hein, c'est un gloss quand même. Mais ça va encore par rapport au Huda, ça passe. C'est juste qu'il est impossible à appliquer. C'est impossible à travailler. Donc non, pour moi c'est un flop. Un gloss où il faut... s'il faut commencer à mettre une heure pour appliquer son gloss, enfin franchement, puis alors derrière se dire faut pas que je bouge, faut pas que je plisse des lèvres, faut rien faire, c'est bon quoi. Enfin voilà, au bout d'un moment, faut que ce soit aussi pratique le maquillage, sinon c'est pas cool. De la marque Hourglass, donc voici, je sais pas si ça va bien rendre, si quand même, voilà. Donc encore un rouge à lèvres que j'ai reçu dans une Look Incredible, donc ça je pense que c'était dans la My Secret Box, je vais vous le mettre par là. Alors, il est là-haut, enfin il est là-haut, pour vous il est en bas, voilà, ici. C'est une très jolie couleur, il a un fini velours comme ça, j'aime bien les raisins en plus chez Hourglass. Voilà. Non, franchement, c'est un très très bon rouge à lèvres, il a un fini velours, il va pas non plus filer dans tous les sens, il est agréable à porter au bout d'un moment, on le sent même plus. J'ai beaucoup aimé la teinte que j'ai reçue. Donc ça, c'est une teinte que je mettrais peut-être plus au printemps, automne, comme ça, mais pas forcément ni en été ni en hiver. Mais j'aime beaucoup. Franchement, un très joli bois de rose, comme ça, c'est des couleurs que j'aime. Donc vraiment, très bon rouge à lèvres. Qui pèse en plus une tonne avec le packaging. Alors ça, c'est celui que j'ai reçu dans la Glossy Box bah, du mois de juin. C'est le Huda Beauty. Voilà. Alors, on est pareil, donc là, je vais pas le re-swatcher une fois parce que je vais voir, je vais vous le laisser très clairement. La couleur est belle. Il colle trop. Alors, ça, c'est personnel aussi, mais voilà, ça, c'est une texture qui ne me va pas du tout. C'est hyper collant, pour moi, c'est pas agréable. J'ai remis l'autre, en fait, mon autre Huda Beauty que j'avais. Pour me refaire une idée quand même sur la texture du gloss parce que quand je l'ai swatché en fait dans ma vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup voilà, je me suis dit ah, je me rappelais plus qu'ils étaient comme ça les gloss Huda, donc j'ai ressorti le mien, j'ai essayé et non ça, j'aime pas la texture sur mes lèvres, etc. J'aime, voilà, la sensation que j'ai tout au long de la journée ne me plaît pas du tout, donc ça sera pareil pour celui-ci, donc c'est pas la peine, donc pour moi c'est un flop. J'ai ressorti, donc ça c'était des rouges à lèvres que j'avais acheté fin d'année dernière, je crois, de la marque Ciaté, les Glitter Flip. Alors j'en ai plusieurs, pardon, j'en ai plusieurs, je dois en avoir 5 ou 6, 5, je les adore, enfin voilà, ça faisait un petit moment que je les avais pas ressortis. Alors cette couleur en particulier, j'ai plus de place. Je vais vous la mettre par là. Voilà. Alors ça, c'est une très très jolie couleur. Voilà. Et je sais pas si vous connaissez ces rouges à lèvres. Donc c'est des rouges à lèvres liquides à effet mat.
Il faut pas faire ça quand vous les appliquez, enfin il faut pas faire tout de suite quand vous les mettez. Il faut bien laisser sécher, donc voilà. Et puis après, quand vous allez poser vos lèvres, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, etc., il va y apparaître plein de paillettes en fait, donc c'est super joli. Donc je sais pas si on va les voir ressortir tout de suite là. Non, je crois pas. Mais c'est super joli en fait, il y a plein de petites paillettes, ça fait une bouche toute pailletée, c'est... J'adore. Donc pour une soirée, enfin voilà, je les avais achetées, moi c'était pour Noël et Nouvel An, clairement j'ai pris le bleu nuit aussi, c'est magique quoi, avec les paillettes comme ça, ça... Et si on a une manucure qui va avec, c'est juste trop bien, j'adore ce rouge à lèvres. Donc évidemment, c'est dans mes tops. De la marque Shiseido, donc que j'ai reçu également dans une look incredible, voilà. Donc encore un rouge à lèvres. Alors celui-ci, j'ai plus de place, là. Donc il est là, voilà. Alors c'est pareil, c'est une jolie couleur, c'est un joli beige, qui est trop clair pour moi, clairement. Donc voilà, mais je le garde quand même et puis je m'en resserre quand je mélange plusieurs couleurs de rouge à lèvres, etc. Parce qu'il est tellement, beau, enfin il est agréable à porter, enfin c'est pareil, c'est un fini velours, c'est un petit peu comme le Hourglass en fait, voilà, c'est un petit peu la même texture, c'est vraiment, c'est super agréable à porter. Donc en fait je le repose sur un, je mélange plusieurs couleurs pour avoir un effet un petit peu plus foncé. Et puis bah voilà, ça marche très bien, mais vraiment bon petit rouge à lèvres. Ensuite, j'ai ressorti le Too Faced, le Melted Matte, donc en teinte, je ne sais plus. Voilà, c'était les Melted Matte comme ça. Donc ça, c'est la couleur, je l'adore, les Melted Matte de chez Too Faced, je les aime beaucoup. Donc je vous l'ai mis. Voilà, je ressemble à un sapin de Noël, j'espère que tout va repartir, parce que je sors, après ce serait quand même ballot. Donc voilà, c'est un très joli bois de rose comme ça, j'adore cette couleur, il ne me dessèche pas les lèvres, il file pas trop, enfin j'aime beaucoup ces rouges à lèvres de chez Too Faced, je l'ai acheté je sais plus quand, automne dernier, je ne sais plus, enfin bref j'adore ces rouges à lèvres. Le petit baume de chez Lancôme que j'ai reçu également dans une look incredible, donc celle du mois dernier. Donc voilà, c'est tout simplement un joli petit baume. Je vais quand même vous mettre pour que vous voyez le côté un petit peu hydratant. Donc il est totalement transparent, il est là. Je sais pas si on va voir qu'il brille un peu. Ouais, légèrement. Donc voilà, il est très hydratant, c'est un bon petit baume à lèvres et puis du coup bah il finit dans mes tops parce que voilà, il a de jolies petites nacres également. Je sais pas si ça va ressortir. Mais quand on n'a pas forcément envie de se maquiller genre le dimanche ou des jours comme ça, qu'on n'a pas trop envie, si on veut juste appliquer un petit baume à lèvres, c'est quand même sympa parce que bah voilà, on a les lèvres qui brillent un peu et puis en même temps on hydrate ses lèvres et puis en plus bah il y a de jolies petites nacres à l'intérieur, donc ça c'est cool. Donc c'est un top. Donc ensuite de la marque Givenchy, toujours dans une look incredible, voilà. J'ai quand même essayé de vous prendre pas mal de choses que j'ai eues dans des box, hein, quitte à faire. Bon, il y a quand même des choses que j'ai achetées, mais je devais vous en parler parce que je les aime trop, mais voilà. Donc c'est pareil, hein, Givenchy c'est de très très jolis rouges à lèvres. Voilà. Donc le packaging déjà est très très beau. Il y a le petit logo Givenchy sur le raisin. Donc je sais pas si on va le voir. Voilà. Donc c'est vraiment de très jolis rouges à lèvres. Et puis alors là c'est pareil. J'ai eu une couleur que j'ai beaucoup aimée. Alors, on va se mettre par là. Voilà. Donc c'est vraiment une très jolie couleur. Là pour le coup au printemps, tout ça c'est vraiment des couleurs qui vont très bien. Même en été, hein, ça passe très bien. Et c'est pareil. Là pour le coup, il est moins lumineux. Ça, c'est pas mat, mais voilà, ça fait vraiment effet velours. Mais ça brille pas non plus dans tous les sens. Il est super agréable à porter, on le sent pas sur les lèvres. Enfin, c'est un bonheur ce rouge à lèvres. Franchement, j'étais super contente de l'avoir reçu et super contente de ma teinte.
Ensuite, le Koshuntin Pang, donc pour l'élève de la marque Pepira que j'ai eu dans la Pink Séoul, je crois. Je suis plus sûre. Bref, ce petit truc, voilà, que j'ai dû avoir dans la Pink Séoul de mai. Là, pour le coup, non. Non, vous voyez, c'était le petit embout mousse, comme ça. Donc, on appuie, le produit sort. Alors là, vous allez me dire, ouais, bah, qu'est-ce que tu me dis? Regarde, il est bien. Ça, enfin, là, la couleur, elle ressort pas aussi pétante à cause des éclairages, mais c'est un beau corail qui pète bien, comme ça. Donc, on va me dire, mais non, mais Sarah, il est bien, ce truc. Non. Parce que comme ça, oui, il est bien. Par contre, il file tout de suite dans les lèvres. Il file tout de suite, en fait. Il n'y a pas moyen d'avoir un joli rendu à l'application. Enfin, franchement, c'est hyper laborieux à utiliser. Ça, c'est pareil. Il faut tapoter pour l'appliquer. Derrière, il faut pas trop bouger ses lèvres. Enfin, je veux dire, non, au bout d'un moment, un rouge à lèvres, voilà, faut que ce soit pratique. Donc, du coup, non. Voilà, pour moi, c'est un flop. La boîte est presque vide, hein, je vous rassure. Ensuite, toi, je vous avais prévenu. Encore un rouge à lèvres, donc là, de la marque Ilamasca. Donc, c'est un joli nude. Voilà. Donc, très joli, que j'ai beaucoup porté. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce rouge à lèvres. J'aime bien les rouges à lèvres Ilamasca en général. Voilà. Il a un fini velours comme ça, limite mat, et on le sent pas sur les lèvres une fois qu'on l'a mis. C'est très joli, enfin voilà, franchement, j'aime beaucoup beaucoup ces rouges à lèvres. Donc ça, je l'avais eu dans une Birchbox, Glossy Box, je sais plus. De la marque Lise Vatier, donc ça, on l'a eu dans une Birchbox. C'était donc le tout petit format, tout mignon comme ça. Donc là, c'est un peu le même genre. Hein. Je vais le mettre par là. Donc il est là. Voilà. Donc c'est une très jolie couleur. Donc pareil, enfin là, il a un fini velours. Il est agréable à porter. On ne le sent pas beaucoup sur les lèvres. Il aurait tendance à être un petit peu plus brillant quand même que le Ilamasca. Donc voilà. Mais vraiment, joli petit rouge à lèvres. Ensuite, donc de la marque Dr. Lip, donc le baume à lèvres teinté à la patate douce. Donc je l'utilise encore, mais là il est presque vide. Voilà. On l'avait eu dans une look fantastique celui-là, je crois. Franchement, il est top celui-ci. Par contre, je l'utilise vraiment. Alors malgré qu'il soit teinté, je ne l'utilise que le soir parce qu'il est très nourrissant, il est très épais comme ça. Donc je ne me verrais pas le porter sous un autre rouge à lèvres. Parce que vraiment, non, c'est limite un gloss à lui tout seul. Voilà, très très nourrissant. Par contre, il fonctionne très bien. Moi, je me lève le lendemain matin, mes lèvres, enfin, on sent qu'elles sont réhydratées, etc. C'est super efficace, il sent super bon. Et il est teinté, mais ça passe encore. Donc voilà, j'ai pas eu de grosses catastrophes sur mes têtes d'oreiller. Donc voilà, très très bon petit produit. De la marque Dr. Botanicals, donc le masque de nuit, donc superfood régénérant à la grenade, donc on a eu dans une box, mais désolée, je ne sais vraiment plus laquelle. Je l'aime bien aussi celui-ci, il sent bon, par contre, plus peut-être même à l'automne, mais là pour le coup, il commence à devenir trop riche pour l'été. Enfin, je le sens trop et quand il fait chaud, c'est pas hyper agréable. Mais ça reste un top parce que voilà, je l'ai quand même pas mal utilisé au printemps là et puis j'aimais plutôt bien. Également, j'ai ressorti mon petit, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, ces machins de chez Lancôme là, les mais zut, les shakers, les mini shakers, je sais plus. Vous savez, vous secouez comme ça, il y a la couleur qui va se mélanger. Et puis là, celui-ci, il a la pêche. Ouais, c'est ça. J'adore. Quand j'ai pas envie d'avoir les lèvres trop chargées et tout, ça c'est tout mignon. Il y a un petit embout comme ça, voilà. Bah voilà, j'ai dû le ranger fin d'été dernier. Et puis bah là, je le ressors là parce que bah, c'est la période où j'aime bien porter ce genre de choses. Ça sent super bon, c'est léger, enfin, j'adore. Voilà les Juicy Shaker,
les Glossy Checker, je sais plus comment ils s'appellent, mais bref, il y a Checker dedans. Et puis voilà, donc c'est de la marque Lancôme. Donc ça, j'avais acheté ça chez Sephora, ben, je crois, début de l'été dernier. Ensuite, on en arrive à la pochette. Non mais voilà, ça va aller assez vite parce qu'il y a des grosses choses dedans. Donc je voulais quand même vous reparler de la petite brosse de Glove qu'on a eue dans la look fantastique du mois de juin. Et ben écoutez, ouais, elle va plutôt bien. C'est un peu imitation Tangle Taser comme ça. Moi ça me va plutôt bien ce type de brosse. Donc là je l'utilise. Voilà, bah je l'utilise un petit peu à la place de ma brosse. Je voulais la tester un petit peu. Et puis bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ça c'est une palette de chez Tarte que j'ai également eue dans une Looking Incredible. Encore. Voilà, donc là il y a un grand miroir et puis voilà comment elle se présente. Elle est magnifique cette palette. Je l'adore, je m'en sers beaucoup. J'avais eu des petits commentaires concernant le maquillage qui m'allait très bien comme ça au niveau des yeux. Alors je sais plus exactement dans quelle vidéo. Et bah c'était réalisé avec cette palette là. J'adore. Il y a combien? Alors on a 1, 2, 3. Il y a 3 fards mat et 2, 3, 4, 5, 6 fards irisés. Mais vraiment, elle est assez complète. Quand on veut se faire un maquillage un petit peu nude comme ça, on peut même renforcer un petit peu la couleur avec la couleur un petit peu plus foncée comme ça en coin externe. Non, franchement, c'est une très très jolie petite palette. Je l'aime beaucoup. Je vous dis ça. Elle est là. Ensuite, de la marque Essence, donc c'est le nettoyant visage au tea tree que j'ai eu dans ma très 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 chère Face Story de l'édition printemps. J'aime beaucoup ce produit, franchement il marche très bien, il démaquille très bien. Alors attention, le teint, hein, moi je m'en sers pour le teint. Les yeux, en fait j'ai voulu essayer le premier soir comme ça avec mon coton tuk tuk que je passais et je suis passée sur les yeux. L'erreur. Après en même temps il y a du tea tree dedans, hein, j'aurais peut-être dû m'en douter. Mais ça m'a piqué les yeux, enfin ça m'a tout irrité le contour des yeux, c'était une catastrophe. Donc il faut vraiment éviter le contour des yeux avec ce produit. Donc je vous ai montré dans ma vidéo produit terminé là le petit démaquillant biphasé que j'utilise là, style démasque de Maybelline. Voilà, donc je me sers de ça pour les yeux et puis je complète avec ceci. Vraiment très très bien. Vraiment, c'est un bon produit. C'est vraiment un très très bon produit. Je le trouve efficace pour les petites impuretés, les choses comme ça, c'est pareil, ça fonctionne très bien. Donc je recommande. Le soir uniquement, je précise pour le soir, donc ça c'est pareil, je l'ai eu dans la... pareil dans la Face Story. Là on va passer un petit peu Face Story, voilà, je vous le dis. De l'édition de printemps, donc c'est de la marque Elisha Koi, Elisha quoi, je ne sais plus. Donc c'est le, vous savez, le spray, alors je vais vous montrer, voilà, ça se présente comme ça. Et donc c'était le spray lacté là, qui m'a posé beaucoup d'interrogations. Effectivement, alors pour le soir c'est top. Une fois qu'on a bien nettoyé son visage, etc., pour réhydrater un coup, tuk tuk tuk, un petit peu comme la routine qu'on pourrait avoir avec le Garancia le matin, et moi j'ai la même le soir avec celui-ci. C'est super agréable sur la peau, c'est frais, c'est vraiment top. Par contre ça laisse une petite pellicule comme ça sur la peau. Je dirais pas que c'est gras, je dirais, enfin, ça, ouais, un petit peu quand même, on va dire, pas poisseux, mais on sent qu'on a mis quelque chose, c'est pas agréable, donc je ne m'en sers pas le matin. Parce que vu que derrière je me remaquille, j'aurais peur que ça fasse filer un peu le maquillage en fait. Donc du coup, c'est pour ça que je m'en sers pas le matin, mais pour le soir, c'est vraiment top. Donc pour rester dans la Face Story, donc édition printemps, donc on avait de la marque Wanjiso, les petits pads hydratants comme ça. Alors je vous remontre mes petits lamas, hein, voilà, j'aime bien. Et donc on a des cotons imbibés comme ça à l'intérieur. Donc ça c'est ce dont je me sers le matin. C'est frais, ça sent super bon, ça a une odeur un peu florale comme ça, c'est très très agréable. Après avoir nettoyé son visage, on se passe ça sur le visage et on sent vraiment que ça hydrate la peau, mais ça laisse aucun fini. Du coup, il suffit de retapoter un petit peu comme ça pour éliminer les derniers si on n'a pas la patience de laisser sécher. C'est super agréable. Donc ça le matin, ça le soir. Voilà.
Ensuite, et ben voilà, du coup, derrière, j'applique ce sérum, donc de la marque Neogen Dermalogy. Donc voilà, c'est un sérum à la vitamine C. Voilà, je l'utilise et le matin, bah je l'utilisais encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps le soir, mais du coup là je l'ai remplacé par le petit sérum Eugens. Voilà. Donc très très bon petit produit. Franchement, je sens que ma peau derrière elle est bien hydratée, on sent qu'elle est nourrie. J'aime beaucoup l'odeur en plus. Ouais, ça sent vraiment très très bon. Donc franchement, je recommande également. Donc ça c'est pareil, c'était dans la Festory de printemps. Je crois que... Ah non. Il y avait également, donc, toujours dans l'édition printemps, de la marque Festory, la crème contour des yeux. Alors celle-ci, pour le coup, me va très bien. Elle hydrate bien, tout ça, et je pensais que j'allais en avoir pour une éternité, mais je me rends compte que ça descend quand même plutôt vite. Donc voilà, très très bonne crème pour le contour des yeux. Elle a une texture un petit peu pareille, un petit peu gélifiée comme ça, donc du coup c'est très frais, ça pénètre bien, il n'y a pas besoin de voilà, frotter pendant, enfin de masser pendant je ne sais combien de temps. Elle pénètre vraiment très bien, c'est super agréable, je m'en sers et le matin et le soir. De la box toujours Festory, mais ce coup-ci de l'édition d'été, de la marque Essence Herbe encore. Voilà, j'ai entamé le pot donc de crème hydratante, donc toujours au tea tree. Elle est très bien cette crème. C'est la crème que j'ai utilisée encore tout à l'heure. Donc elle sent fort le tea tree. Hein, voilà. Donc voici comment elle se présente. Donc pareil, texture gel, très agréable pour la saison. Voilà, je l'ai remplacé en fait parce que j'utilisais jusque là, je vous le montrerai juste après. Elle est très agréable cette crème, franchement pour l'été ça va être super. Pareil, on sent quand même que, alors elle m'a un petit peu picoté les pommettes comme ça. C'est là où j'ai tendance à être un petit peu plus sensible, donc là ça picote un petit peu. Pareil, éviter le contour des yeux, petit tri à l'intérieur. Attention, mais par contre non, je sens que c'est une bonne petite crème. Moi, je vous redirai par contre hein, après une utilisation un petit peu plus longue si vraiment elle a un effet visible sur les imperfections. Mais en tous les cas, elle fonctionne très bien, elle hydrate très bien, tout ça, c'est super agréable. Donc gros top. Et donc je vous disais qu'avant j'utilisais la crème hydratante donc de chez Bobbi Brown que j'ai eu pareil dans une box, je ne sais plus laquelle. Donc c'était crème hydratante visage, donc dans un tout petit pot comme ceci, voilà. Donc on en arrive quand même à la fin, donc je risque quand même d'essayer de la finir là, parce que vous voyez il n'y a vraiment plus grand chose à l'intérieur, mais elle est très nourrissante cette crème. Alors elle est top, franchement j'ai beaucoup apprécié l'utiliser, mais elle est très très nourrissante. Donc à des périodes comme ça où il fait chaud et tout, j'ai pas envie d'avoir ça sur le visage. J'ai pas non plus envie de m'en servir comme crème de nuit puisque j'ai déjà des crèmes de nuit, donc voilà. Mais je pense que je la finirai sur des journées où on a un petit peu moins grosse chaleur, etc. Mais c'était vraiment une bonne petite crème qui a bien hydraté ma peau. Derrière, je mets toujours de toute façon un primer, donc je pourrais pas vous dire si c'est une bonne base pour le maquillage. Je ne pense pas. Je vous dirais quand même que vu qu'elle est hyper nourrissante comme ça, voilà, je pense qu'elle n'avait pas non plus la texture pour accueillir directement du maquillage dessus derrière. Après, c'est mon opinion. Mais je pense pas. Celle-ci, oui, même si moi je mets toujours un primer derrière, mais je pense que plus celle-ci que celle-ci qui est vraiment très très nourrissante. Mais c'était une bonne crème. Ensuite, donc j'ai reçu dans la Look Incredible Deluxe, cette fois-ci, My Secret Box je veux dire. Donc là c'était de la marque Guerlain, l'essentiel, donc c'était la base de teint. Déjà je trouve que, on dirait limite une bouteille de parfum, cette petite chose, ça a une super bonne odeur. Ça sent divinement bon. Et puis en plus de ça, je crois que je mets toujours des bases de teint. Donc là, comme je vous parlais là de la Bobbi Brown, qui marche très bien. Elle matifie bien, tout ça, il n'y a pas de souci.
Mais je crois que c'est la première fois que j'utilise une base de teint et que je vois vraiment l'effet lissant, on va dire, floutage de pores, etc. Puisque j'avais regardé pas mal de revues où j'entendais, voilà, celle-ci, elle floute les pores, machin, machin. Même la Benefit, hein, que j'aime beaucoup aussi, je voyais pas cet effet floutage de pores. Là, clairement, je l'ai. Donc, à voir après, parce qu'elle coûte quand même très cher, mais je me dis que c'est peut-être une base quand même que je me rachèterai, parce que c'est la première fois que je vois un effet sur moi où il y a vraiment cet effet, voilà, peau lissée, pores floutés, etc. Donc, voilà, si ça fonctionne, je risque quand même de racheter, si j'en ai pas trop à tester. Donc, un gros, 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 gros top. Crème pour les mains de la marque Anatomicals, donc voilà, que j'aime bien. Je l'ai ressortie il n'y a pas très longtemps, là. Je la trouve... L'odeur est assez fraîche, j'aime bien, c'est fleuri. Voilà, et puis ça hydrate bien les mains. Donc, bonne petite crème pour les mains. Le Dior Addict, donc le Lip Tattoo Longwear Colored Tint, donc que j'avais eu dans la teinte 881, donc en gros c'est un rose. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, très agréable, très, enfin voilà, au niveau du packaging déjà, hein, je vais pas vous faire un dessin, voilà l'applicateur, donc, c'est celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. Très jolie couleur. Quand je l'ai vu la première fois, donc je l'ai eu aussi dans une Look Incredible, je me suis dit, waouh, rose pétard, je vais pas aimer. Même au swatch, hein, parce qu'au swatch, je vais vous montrer, il pète quoi. Je vais vous montrer ça là. Allez hop, on est plus à ça près. Voilà. Donc il pète vraiment. Donc je me suis dit, ah, hein, bah il ressort pas, il ressort moins rose que ce qu'il ne ressort par exemple sur mon bras. Je me suis dit, ça va être une catastrophe sur la bouche et tout. Et en fait, non. Et pour l'été, c'est une très jolie couleur. J'aime bien. En plus, il s'applique bien. Là, on le sent pas du tout sur les lèvres. Il est super agréable à porter. Voilà. Il a un effet mat comme ça. Il n'y a pas de transfert. C'est vraiment, ben voilà, très bon rouge à lèvres. Ensuite, allez, il reste 4 produits. Je vais aller. Hop, donc la bébé crème de chez Herborian. Donc là, j'ai rangé mon fond de teint. J'ai ressorti de la bébé crème parce que voilà, il fait beau, etc., etc. Donc la bébé crème Herborian, moi j'ai la teinte dorée. Et enfin voilà, hein, je pense qu'on n'a plus besoin de faire la pub pour la bébé crème Herborian qui est juste un best-seller de la marque. Et ben, c'est pourquoi, hein? Non, franchement, ça marche très très bien. Et puis on peut quand même moduler la couvrance de cette bébé crème, donc c'est ça que je trouve top, parce que si on a quand même un ou deux petits boutons, ce qui est mon cas là par exemple aujourd'hui, et ben ça le masque quand même pas mal quoi, voilà. Donc on peut quand même moduler un petit peu la couvrance du produit et ça je trouve ça super. Le gloss Mermaid qu'on a reçu de Mélusine, donc on a reçu dans la Beautiful Box Bio Féminin. J'adore ce gloss. Alors, je vais vous le mettre par là. Voilà. Il est où? Il est là. Donc oui, ça ressort pas forcément, quoi, qu'un petit peu quand même. Hein. Donc il laisse quand même de jolis reflets comme ça, même sur un autre rouge à lèvres, donc un petit peu holographique, bleuté comme ça, c'est très joli. Et c'est surtout que moi, je passerai ma journée à manger ce gloss-ci. Il a super bon goût en fait, donc je passerai ma journée à manger ce gloss, donc très très bon gloss. De la marque Clinique, donc le mascara que j'ai choisi d'ailleurs, hein, dans la Birchbox de je ne sais plus quel mois, je crois bien que c'était le mois de juin, voilà. C'est un gros flop pour moi. Alors les mascaras c'est très personnel quand même, donc je vais pas critiquer le produit, c'est juste que... Que je mette rien ou que je le mette, c'est pareil. En fait, ça n'a aucun effet sur mes cils. Alors après, comme je l'ai dit, moi j'ai des cils qui sont courts. J'ai des cils qui sont quand même assez courts, donc c'est assez difficile de les travailler. J'en ai pas non plus énormément, ils sont pas hyper fournis. Enfin bref, c'est une catastrophe mes cils. Mais ça, non, franchement, ce type de brosse-là,
aucun effet sur mes cils. Donc ce que je fais, je le mets un petit peu en base, en primer en gros. Et puis après je remets un autre mascara par-dessus. Voilà, je me suis dit que comme ça au moins il serait utilisé et il va pas sécher inutilement. Mais clairement il fait rien. Voilà. Donc c'est un flop. Et puis je voulais quand même reparler des petits Meet Mate de la marque The Balm. Voilà. Et là donc j'ai ressorti la teinte un petit peu corail comme ça. Donc c'est des rouges à lèvres liquides à effet mat. Je vais le mettre là. Voilà. La couleur est dingue. J'adore ces rouges à lèvres liquides parce qu'ils ont vraiment un effet très mentholé que moi j'adore. Et puis moi franchement les The Balm comme ça, je les mets le matin, je m'en occupe plus de la journée. Clairement c'est ça, je m'en occupe plus de la journée. Je sais, bon voilà, faut pas s'essuyer à grands coups comme ça quand on va manger le midi avec sa serviette, parce que sinon clairement bien sûr que ça s'enlève. Mais si on fait un minimum attention, je sais que le soir je vais rentrer, mon rouge à lèvres sera toujours là. Donc ça c'est quand même super super agréable. Voilà. Donc voilà pour ma vidéo top flop. Donc comme vous aurez pu le constater, il y a quand même plus de top que de flop. Voilà, comme ça vous aurez également eu un retour sur les produits de la Face Story Luxe Plus, donc l'édition du printemps. Franchement que... Enfin voilà, vous constaterez que je me suis fait une routine avec tous les produits. J'aurais même pu ramener le headband parce que clairement il est très bien serré, il est même peut-être un petit peu trop serré comme ça. Il maintient très très bien, donc du coup il bouge pas et tout, c'est vraiment top. Donc voilà un petit peu pour mes produits top et flop. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 produits quand même en flop. Mais tout le reste, c'est vraiment des produits que j'ai beaucoup aimé utiliser. Donc voilà, en termes de moyenne, on est plutôt pas mal. J'ai pas pensé à vous ressortir, par contre, c'était encore un top, puisque j'en ai racheté de la marque Happy Vita, le petit masque à l'acide hyaluronique pour les cheveux, là, qui se vendent à l'unité en sachet. Donc je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminé. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est gratuit. Et puis voilà, ça ne vous engage en rien. Et surtout, activez les petites alertes pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, et puis en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !